Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour cette série consacrée aux outils premier prix. Aujourd'hui, la défonceuse. La défonceuse premier prix du Brico Dépôt. Alors, qui vous sera vendue avec quelques accessoires, dont ce guide parallèle. Moi, je ne suis jamais vraiment servi. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein. Vous pouvez voir la défonceuse en elle-même avec le petit kit, enfin le petit embout pour l'aspiration qui marche pas trop mal, hein, ça va, ça n'a pas vraiment tendance à se boucher. Ça peut arriver sur certains modèles que ça se bouche, mais là avec un bon aspirateur ça passe très bien. Donc ici vous avez toute la petite partie de réglage. Et donc pour changer l'embout, c'est rien de compliqué. Hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton de blocage et puis de venir avec la petite clé fournie, desserrer. On va mettre un embout pour la, comme ça. Allez, au hasard. Et donc, vous le mettez, vous le serrez un peu à la main, c'est quand même plus pratique qu'avec la clé, hein, sur les premiers tours. Et voilà, c'est installé. Alors, vous avez ici les poignées. Ils peuvent se retirer. Moi je les retire pour les ranger dans la caisse. Hein. Pour la ranger dans la caisse, sinon ça ne rentre pas. Et le défaut de cette machine, parce qu'elle a un défaut. Alors ici vous avez une poignée de serrage. Donc quand vous réglez, vous pouvez serrer. Sauf que sur ce modèle, alors, je vais vous montrer. Il y a une petite poignée en plastique. Plastique qui n'est pas très dur, pas très costaud, donc résultat vous avez tout fait de le péter, hein, comme moi, donc soyez avertis, hein, ça casse, mais avec une bonne paire de gants, moi je porte toujours des gants dans ce style là, gants de technicien, ils appellent ça. Vous mettez ce genre de gants, il faut quand même quand on utilise des machines. Hein. Enfin, après, hein. Chacun voit comme il veut. Et quand on porte des gants au niveau des serrages, on arrive mieux. Donc, il suffit de bien le serrer à la main et normalement ça passe. Non, non, ça ne veut plus. Bon, une petite clé, tout le monde a. Oui, au pire des cas, je peux toujours utiliser une petite clé, là, j'en ai. Et comme ça, je peux le serrer. Ça marche avec une petite clé. Voilà, c'est le seul défaut. La machine, c'est sa petite poignée de serrage qui casse. Sinon, on va voir le kit d'embout dans un instant. Alors, je vais le desserrer, je vais le retirer. L'embout. Alors attention parce que là, ça peut gêner. Alors je précise bien une chose, ces manipulations pour les faire, avec la débrancher, surtout avec cette machine là, parce que le bouton arrêt marche est assez sensible, le bouton de marche, hein. Il est assez
assez léger. Donc vous avez les doigts dessus et vous appuyez sur le bouton sans faire exprès. C'est pas top, top, top. Alors le petit coffret d'embout qui va bien, qui est aussi vendu au Brico Dépôt. C'est quasiment le même prix que la machine. Là, je me demande si c'est pas le même prix, voire plus cher. Je sais plus, faut vérifier. Mais par contre, il est bien. Hein. Vous voyez bien le coffret. Il est bien, il y a 2, 4, 6, 8, 10, il y a 12 embouts. Il y a de tout, hein, pour les moulures, pour tout un tas de choses, hein, pour faire des petites rainures. Il y a un embout à copier, pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment tout un tas de choses. Franchement, je le recommande parce qu'il est assez complet. Bon, on dirait pour un professionnel, c'est peut-être pas suffisant. Pour un bricoleur comme nous, hein, ce sera largement assez. Bon, ben maintenant on va passer au petit bonus de la vidéo. Alors en bonus, j'avais envie de parler du casque de chantier. Alors il n'y a rien à voir avec la défonceuse. Simplement, j'ai eu l'occasion récemment d'en acheter un pour un petit chantier que j'avais chez moi. Alors, il n'est pas nécessaire de travailler sur un gros chantier pour risquer de se cogner au plafond en grimpant une échelle ou voir un truc qui vous tombe sur la tête. Je pense que ce serait quand même bête pour des questions de fierté ou pour 5 euros économisés. De risquer peut-être pas la mort, mais une bonne bosse et un moment désagréable. Ce casque de chantier est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. On le trouve au Brico Dépôt pour entre 5 et 6 euros. Il sera très largement suffisant, comme je vous l'ai dit, pour se protéger la tête. Quand on monte une échelle, on peut peut-être se faire surprendre par une poutre, un tuyau ou même le plafond, qui est plus bas qu'on l'avait estimé, ou un petit truc qui vous tombe sur la tête et qui risque d'être désagréable. On parle pas forcément de scénario où vous allez gravement vous blesser, hein. Bien que ça peut arriver, c'est vrai. Mais pour le bricoleur du dimanche, comme moi, voilà, le principal risque, c'est de se cogner ou de se prendre un petit truc sur la tête et d'avoir mal 2 minutes. Mais bon, ça reste des désagréments qu'on peut éviter avec un petit casque. Mais on n'est pas forcément obligé de mettre un casque, hein. On peut. Il y a des casquettes renforcées ou des chapeaux renforcés qui font très bien l'affaire. Hein. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.